Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. À la veille des élections, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes croule sous les révélations. Les familles monoparentales au cœur du débat national, nous reviendrons sur la conférence de Christine Kelly. Et enfin, nous avons suivi la dernière épreuve des Olympiades régionales de chimie à Bemao. Révélation en série sur la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Un audit interne a levé le voile sur les pratiques douteuses de l'organisme. Des révélations qui arrivent alors peu de temps après la démission surprise de Lucette Michaud-Chevry et qui devraient donc perturber les élections pour sa succession demain. On voit tout ça avec Grégoire Trudman. C'est un peu échaleux pour cette... Le 31 janvier dernier, Lucette Michaud-Chevry crée la surprise en démissionnant de son mandat de présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Depuis, les dossiers s'accumulent et font la une de la presse jusqu'en métropole. D'après le préfet de Guadeloupe, Philippe Gustin, le montant global du déficit de la CAGSC s'élèverait à plus de 75 millions d'euros. Une somme colossale pour une collectivité d'à peine 80 000 habitants. Cela fait 937 euros de dette par personne. Le préfet évoque 20 millions d'euros de dette financière et 55 millions d'euros de factures impayées. On y trouverait notamment plusieurs années de factures d'eau envers le SIAG, toujours en attente de paiement. Mais ces chiffres ne sont pas les seuls à faire l'actualité de l'archipel. Un audit commandé par Lucette Michaud-Chevry elle-même en mars 2018 fait état d'une gestion catastrophique de la collectivité. En 2017, la CAGSC comptait 452 agents, pour un coût total de 14 millions d'euros. Mais problème, 90 d'entre eux, soit 1 sur 5, fourniraient un travail sporadique ou inexistant. Près de 90 personnes ne travaillent pas, soit 20% des effectifs. Les uns ont disparu, les autres sont présents. Au moins un moment dans la journée, d'autres enfin exercent une activité marginale dans un cadre incertain. Peu étonnant dans ces conditions que les factures soient difficiles à payer. L'auteur s'interroge aussi sur l'attribution de marchés publics et conclut par une phrase sans appel. L'ensemble pourrait laisser à penser que la conclusion de ces marchés relève de faits éventuellement susceptibles de recevoir des qualifications pénales. Une remarque qui vient à point nommé quand on sait que Lucette Michaud-Chevry est mise en examen pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics. Est-ce le départ de la dame de fer qui provoque ces révélations ou l'imminence de ces révélations qui a provoqué son départ? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, une page est en train de se tourner dans l'histoire politique de la Guadeloupe. Les 43 conseillers communautaires de la CAGSC se réunissent ce samedi pour élire leur nouveau président. Il devrait s'agir de Joël Beaugendre, actuel premier vice-président et maire de Capesterre-Belle-Eau. L'histoire nous dira si le changement de tête fait sortir la CAGSC de la tourmente médiatico-judiciaire. Et pour autant, nous avons demandé... Et qui pour succéder à Lucette Michaud-Chevry? Réponse demain. En attendant, on vient de le voir, c'est Joël Beaugendre, le maire de Capesterre-Belle-Eau, qui fait figure de favori. De son côté, Marie-Luce Panchard a décidé de s'abstenir. La maire de Basse-Terre estime que la situation financière de l'organisme est, je cite, « suffisamment préoccupante pour aborder avec recul et sérieux les questions de gouvernance ». La mobilisation générale se poursuit. Nous avons évoqué le cas des enseignants et des psychiatres dans l'édition précédente. On se penche aujourd'hui sur celui du CIVAD. Les salariés de la déchetterie se disent inquiets pour leur avenir dans l'entreprise. Voici pourquoi. Depuis hier, nous en grève. Hein, c'est LKP qui impulsait ça. Mais nous ne pouvons pas poursuivre parce que nous avons un protocole d'accord qui est en cours. Et qui pour réaliser. Et nous inquiétons nous aussi si prolongation à site là, si devenir un personnel à Civat Guadeloupe. Et faut dire aussi que nous avons représenté, le GTG a représenté 50% de personnel là. Nous avons 68 personnels au Civat. Et nous avons souhaité que les politiques prennent les choses en main, parce que c'est eux qui ont les réponses, hein, en fait. Hein, avec les trois parties, Cap Excellence, CIVAD et la CNGT, qui a fait partie du CIVAD. Et logiquement, nous attendons depuis quelques temps que c'est la CNGT doit être partie. Il y a parti, il y a pris une délibération pour quitter le CIVAD. Donc nous demandons à ce que... Il ne faut pas parler d'actifs et de passifs.
parce que à part un qui n'a numéro pour nous parler, il faut nous parler aussi personnel. Est-ce que quand il fait, là il est parti, est-ce qu'il est parti avec un certain nombre de personnel, parce que pour nous traiter les ordi, il faut nous tenir un certain nombre de personnel avec nous pour traiter les ordi à 5 communes qui est parti là. Une pétition en ligne pour Norwegian Airlines. La compagnie a annoncé son retrait de la zone antillaise à compter de fin mars. Un coup dur pour les usagers qui pouvaient alors profiter de prix attractifs. La pétition a donc pour objectif de faire changer d'avis à la direction. Elle a recueilli pour l'instant près de 2000 signatures. Les familles monoparentales doivent être au cœur du débat national. C'est la raison pour laquelle Christine Kelly a voulu leur donner la parole. Elle a organisé une rencontre mercredi soir à l'Assemblée. Objectif, faire émerger des propositions pour venir en aide à ces familles. Je vous propose tout de suite de revenir sur l'événement. C'est par une salve d'applaudissements que le débat a commencé mercredi à 17h à Paris. De la tristesse et de l'incompréhension se lisaient sur le visage de ces femmes et ces hommes, seuls à élever leurs enfants. Au micro s'enchaînent les thèmes récurrents, logement, garde d'enfants, allocation familiale ou encore pension alimentaire. À l'initiative de cet échange, la journaliste Christine Kelly. Pour elle, les familles monoparentales doivent avoir une place dans le grand débat national. Le thème devait absolument figurer dans le grand débat. Parce que les familles monoparentales, on ne le sait pas, on ne le dit pas, sont les premières victimes de la pauvreté, premières victimes du surendettement, premières à frapper aux portes des associations, premières à souffrir dès qu'il y a une crise. Certains membres du gouvernement sont venus écouter pour trouver des solutions. Mounir Majoubi, Christelle Dubos ou encore Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme. Là, ce soir, les propositions, elles vont être relayées auprès du gouvernement et que nous, on va y travailler pour qu'elles deviennent réelles. Nous avons apporté déjà des mesures dans le cadre des projets de loi de finances 2019. Je pense à l'augmentation du complément de mode garde, je pense à l'évolution en effet sur le tiers, ce qu'on appelle le tiers payant pour que les familles monoparentales n'aient pas à faire l'avance des frais de garde lorsqu'elles gardent chez une assistante maternelle indépendante. Donc ça, ce sont des choses, mais nous devons aller encore plus loin. En tout, 5 propositions ont été retenues. Elles seront transmises et étudiées par le gouvernement dans le cadre du grand débat national mis en place par Emmanuel Macron. Et on se quitte avec les Olympiades régionales de chimie. Dernière ligne droite aujourd'hui pour les 16 élèves sélectionnés en Guadeloupe. Un concours important pour eux car cela leur ouvre la porte d'un secteur porteur. Marius Mathieu a pu assister aux épreuves. Lunettes de protection, blouse blanche et gants bleus obligatoires. Dans ce laboratoire, 16 lycéens sélectionnés en Guadeloupe s'affrontent dans une compétition scientifique vieille de 33 ans, les Olympiades de chimie. Là, je suis en train de faire une dilution d'une solution de sulfate de cuivre. J'ai fini de faire ma dilution en fait dans une fiole. Et là, je vais mesurer l'absorbance de la solution. Des termes techniques presque incompréhensibles pour les non-initiés. À l'issue de leur cursus scientifique, ces lycéens sont capables de maîtriser des manipulations chimiques élémentaires. Une base solide pour ces futurs chimistes de carrière. Ils ont 4 expériences à réaliser. Ce ne sont pas des expériences très compliquées, mais qui demandent quand même une technicité et puis une bonne compréhension de ce qui est demandé. Et donc, comme c'est un concours, nous évaluons les capacités de chaque à effectuer les gestes de base en fait de la chimie. Des gestes de base fondamentaux pour acquérir de nouvelles compétences sur un secteur de plus en plus porteur en Guadeloupe, comme l'écologie. On a besoin en fait de chimistes pour notamment le développement durable pour, en Guadeloupe. On a besoin de chimistes quand on travaille avec de la canne à sucre, etc. On a besoin de chimistes, on a besoin d'ingénieurs. Donc on essaie effectivement à travers tous ces projets, tous ces concours, d'essayer de susciter des vocations scientifiques parce que je vous assure qu'on en a besoin. Grâce à ces initiatives pour sublimer les profils scientifiques d'excellence, ces apprentis chimistes, encore lycéens, pourraient bien devenir des chercheurs qui révolutionneront le monde de demain. Et le gagnant pourra alors participer aux épreuves nationales en avril à Paris. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. À la veille des élections, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes croule sous les révélations. Les familles monoparentales au cœur du débat national, nous sommes revenus sur la conférence de Christine Kelly. Et enfin, nous avons suivi la dernière épreuve des Olympiades régionales de chimie à Bemao.
Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.